Les candidats doivent récupérer les 5 clés pour pouvoir déverrouiller la grille de la salle du trésor pendant les 45 minutes qui leur sont imparties. Il faudra réussir les épreuves que je leur ai préparées, ainsi répondre correctement à l'énigme du père Foura. Pour pouvoir ouvrir complètement la grille, il suffira d'avoir les 7 clés. Si par malheur un candidat ne pense pas à ressortir d'une cellule avant que la clé de tir arrive à son terme, il partira directement dans les prisons volantes afin de réaliser le défi proposé. 20 minutes pour gagner un maximum d'indices, qui permettra au candidat de trouver le mot-code pour faire tomber le trésor. Si le temps d'une aventure est terminé, l'indice est définitivement perdu. Mais pour les aventures à prisonnier, le candidat sera fait prisonnier et perdra 15 secondes dans la salle du trésor. Dans le conseil, chaque duel est précieux. Il permettra de faire gagner du temps dans la salle du trésor en réussissant à gagner contre les maîtres des ténèbres. Grâce à la tête des tigres d'or, les candidats pourront jouer un duel bonus qui leur permettra de gagner au maximum 15 secondes, voire aucune. La dernière étape de cette aventure va commencer. Après une longue aventure difficile, leur objectif est presque abouti. Il ne manque plus qu'à trouver le mot-code. Mais attention, si des candidats ne reviennent pas à temps ou si la grille est complètement fermée, leur inventaire sera clear et perdront tout ce qu'ils ont récupéré.